Et on va parler, bien sûr, de ces attentats qui, à Paris, nous ont tous marqués. Et on va revenir essentiellement aussi sur toutes ces questions d'intégration de ces jeunes, de ces immigrants, de ceux qui sont nés là-bas et les défis que ça représente. On a invité Lamine Foura, journaliste animateur de radio à la station Média Maghreb, secrétaire général, cofondateur du Congrès maghrébin du Québec également, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. On prend le terme « beurre ». Il fut un temps, c'était très péjoratif, hein, de le prendre. Oui, c'est... Enfin, maintenant, c'est plus sympathique. C'est celui qui est descendant d'Afrique du Nord, qui est installé en France. Exactement. On parle de deuxième, troisième génération. Ouais. Pas facile encore aujourd'hui d'essayer de s'intégrer à la communauté, qu'elle soit française ou même canadienne, probablement, dans ses origines. C'est important de un petit peu distinguer l'expérience québécoise et l'expérience française. Bonne Ça reste qu'en France, c'est un peu difficile parce qu'on parle d'intégration de personnes qui sont issues de la troisième, quatrième génération. C'est un peu problématique parce que théoriquement, c'est sûr que la première génération a des défis d'intégration, la deuxième, mais quand on parle de troisième, quatrième génération et qu'on se pose la question sur leur intégration, je pense que les attentats, c'est sûr qu'il y a un côté politique, c'est sûr qu'il y a un côté même religieux, dans le sens où il y a des extrémistes qui ont une interprétation particulière de la religion musulmane, mais aussi il y a un problème profondément d'intégration. Quand on connaît les banlieues françaises, je pense qu'il y a un échec du modèle d'intégration français. On a des ghettos établis dans une république, il y a des endroits où des cités et même la police ne peut pas rentrer, au-delà de la radicalisation terroriste qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a un grand défi d'intégration, il y a un défi d'appartenance. C'est une jeunesse qui, le lien avec la République, avec la société française, est brisé pour des raisons objectives et subjectives. Ils sont allés à l'école de la République, comme on dit en France. Ils sont allés à l'école publique française, ils ont la carte de la citoyenneté française, mais ils disent, c'est là que ça s'arrête. On a la carte, mais on n'est pas français. Ils ne sont pas considérés comme français. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés pour des raisons structurelles dans les cités françaises. Il y a un taux de chômage très élevé, il y a un problème d'éducation dans ces cités. Et surtout, je pense que la plus grande erreur de l'État français, c'est que même s'il y avait une volonté, un discours d'assimilation, en réalité, d'un point de vue géographique sur le territoire français, autour des grandes villes, ils ont été isolés et ce n'est pas leur choix. Parce que tout simplement, les HLM étaient concentrés dans des endroits particuliers, les loyers où c'était moins cher, étaient concentrés dans des endroits particuliers. Il y a des usines qui ont fermé aussi. Hein. C'est des parents qui sont établis proches de leur usine. Les usines ont été délocalisées dans l'Europe de l'Est ou un peu ailleurs à travers le monde. Ils se retrouvent en chômage. Leurs enfants aussi se retrouvent dans des situations précaires. Et je pense que ce qu'il faudra tirer comme conclusion, parce que nous sommes loin de cette situation au Québec et au Canada en termes d'intégration. Je parle du Québec en particulier. Quand même, on a des défis d'intégration. Les Maghrébins ont un taux de chômage très élevé, mais on n'a pas quand même de grandes concentrations urbaines avec des cités où il y a 500, 1000 appartements. On est loin de cette situation. Ce qu'il faudra faire, c'est tirer les leçons pour éviter de vivre des situations pareilles dans 40 ans, 30, 40 ans, où des gens issus de certaines communautés culturelles, après 3, 4 générations, ne se sentent pas encore québécois. Et je pense que c'est ce lien de citoyenneté que déjà la première génération doit tisser, mais surtout la deuxième et troisième génération doit tisser. Nous devons tous travailler pour s'assurer qu'ils seront un petit peu transparents dans la société. Ce que la France n'a pas réussi avec son immigration. Transparents dans la société. Ils seront considérés comme tout le monde. C'est pas important qu'après deux, trois générations que les gens se distinguent dans la société. Il faudra qu'ils soient québécois et on saura pas leur origine, sauf si on leur pose la question. Il faut qu'ils aient le comportement d'un québécois. Il faut qu'ils soient intégrés. Mais ça prend aussi une insertion professionnelle, un combat contre la discrimination. C'est une réalité. Elle n'est pas aussi forte qu'on peut la retrouver en Europe. Mais il y a des cas où il y a de la discrimination. Des gens de deuxième génération avec un nom de souche qui n'est pas de souche ont de la difficulté aujourd'hui à trouver des stages. S'intégrer, ça veut dire travailler, ça veut dire gagner sa vie, ça veut dire sortir de la pauvreté. Exactement. Ça commence par le travail. Parce que des gens qui sont dans un contexte économique amélioré, qu'ils ont un emploi, ils vont systématiquement développer des réflexes que tous les Québécois ont en termes de consommation. Ils vont voyager, ils vont avoir des loisirs, leurs enfants commencent à faire des activités de hockey, d'autres activités, ils feront partie de la société et je pense que c'est ça, sur ça qu'on doit commencer tous à travailler. Mais je retiens aussi l'idée de les placer dans des endroits isolés et vous semblez dire quelle est la leçon qu'on doit retenir parce qu'en même temps, ils arrivent ici, prenons les réfugiés syriens, ils arrivent ici, ils vont vouloir aussi être un peu entre eux pour se parler, se parler, être
être, oui, c'est ça, le besoin aussi de se sentir en communauté. Donc, comment on C'est-à-dire agit? C'est-à-dire que si les gens souhaitent être ensemble au départ, c'est pas un problème en soi, mais je pense que on n'a pas ce problème à Montréal pour le moment, parce que, à titre d'exemple, nos HLM, nos maisons à loyer réduit, sont éparpillées sur l'île. Ils ne sont pas concentrés dans un quartier. C'est ce type de leçon qu'il faudra tirer. Il ne faut pas qu'il y ait... Parce qu'en général, ce qui va attirer les immigrants, vu qu'ils viennent d'arriver et n'ont pas d'emploi, c'est le prix du loyer. Donc, s'il y a une concentration de maisons à loyer modique dans une région, on pousse, en fin de compte, les gens à aller ensemble. Ce n'est pas eux seulement qui veulent être ensemble. Que maintenant qu'il y ait des concentrations commerciales, comme on peut le retrouver, comme la petite Italie, le petit Maghreb et tout ça, le quartier chinois, je pense que ça, c'est une richesse pour tout le monde. Mais ce n'est pas là où les gens vont habiter. Parce que si les gens vont trouver que le loyer dans d'autres endroits dans la ville, dans le Grand Montréal, et équilibrés, ils vont automatiquement s'éparpiller dans la ville comme ils le font aujourd'hui. Gentil, vous parlez d'emploi. Il y a encore de ces diplômes d'Afrique du Nord qui ne sont pas reconnus. Il y a encore des laborantins et d'autres qui ne peuvent pas travailler chez nous pour toutes sortes de raisons. Vous savez que peut-être Montréal détient le niveau de diplomation des taxieurs les plus élevés. Je pense qu'il y a une analyse. On a beaucoup de médecins qui sont taxieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Ce n'est pas un problème en soi puisqu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins à travers un métier honorable. Mais en même temps, je pense que nous devons prendre en considération. Et vous savez que la première génération est prête à faire des sacrifices et elle peut être compréhensible. Le problème, c'est quand on est né ici, de même de parents qui sont nés ici, mais notre grand-parent est un immigrant et qu'on n'arrive pas encore à trouver un emploi parce qu'on a un nom qui est différent des autres, c'est là où les problèmes de lien avec la société, le problème d'appartenance peuvent être mis en cause. Très éclairant tout ça. C'est troublant en même temps, mais écoutez, il faut être vigilant. Il faut qu'on travaille dessus. On reste vigilant et on va travailler là-dessus. Grâce merci à vous, beaucoup, entre autres. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir.